nous voici au lac d'Oron pour faire la petite découverte initiation canoë kayak. Donc là on a équipé tout le monde, voilà, j'ai fait un petit briefing pour expliquer un petit peu comment ça marche, comment s'installer dans le bateau, comment aller droit, comment tourner. Vous avez des pagaies simples, donc il y en a un qui va pagayer à gauche, l'autre à droite. Ça n'a pas d'importance si c'est celui devant ou derrière, c'est un peu comme vous vous sentez le plus à l'aise. C'est avec grand plaisir qu'on accueille le team Michelin cet après-midi, avec le team Michelin mais aussi les salariés de Michelin qui vont pouvoir découvrir le canoë-kayak avec Lucie Baudu et Johan Diniz. Et puis maintenant, on va aller mettre tout ça en pratique sur le lac et puis on va voir comment ils se débrouillent. Une fois que tous les participants avaient un petit peu compris le fonctionnement du bateau, on a fait une petite course, donc moi avec Johan Diniz dans mon bateau, et puis contre Jacques, le directeur du site de Bourges, et puis qui était avec Florent, le fils de l'ancien président du club de Bourges. Et donc on a fait une petite compétition. Pas d'adversité quoi. Bah moi je dirais qu'il y avait de l'adversité, au contraire, on a presque failli se faire battre. C'était même devant tout le début, donc on s'est un peu, en tant que sportif, je crois qu'on s'est un peu remué pour passer devant. C'est génial d'avoir un cadre pareil, de pouvoir profiter en plus de l'espace et puis de nos champions. C'est super. Je suis déjà pratiquant, j'ai deux canoës à la maison. Et par contre, ouais, c'est super de pouvoir faire ça avec Lucie aujourd'hui. Nous, on l'a un peu lu chez Vivendum. Cet après-midi, sur ce plan d'eau du Val d'Oron, qui est à deux pas du centre-ville de Bourges, Lucie Baudu a initié des enfants de salariés, mais également quelques enfants de la ville de Bourges, au canoë-kayak, discipline dont elle est championne du monde depuis une petite semaine, championne du monde par équipe à Rio. Et ça, pour le site de Bourges, parrainer une athlète de ce niveau, c'est quelque chose d'exceptionnel et qu'on va travailler dans les mois et dans les années à venir.